OK, jeudi 10 novembre, quelle belle surprise d'avoir un nouvel événement en même temps qu'on s'en va chercher notre récompense Clash. On se souhaite de la pack luck parce qu'aujourd'hui m'est arrivée toute une mésaventure. Accident de voiture. Me suis fait rentrer dedans. Fait que là, la voiture est maganée pas à peu près. Je ne suis pas blessé. Et les assurances vont couvrir tout ça, mais hey, ça scrape une journée pas à peu près. Alors, souhaitons avoir de la pack lock pour oublier tout ça. L'événement est particulier. On a des master sets, puis on a des cartes qui peuvent upgrader si les joueurs atteignent un jalon. C'est pas si simple à suivre, je trouve, initialement, mais on va le découvrir au fur et à mesure que l'événement avance. Allons au moins ouvrir nos packs. J'ai fini encore une fois Pro 3 à Clash avec le temps que je passe à jouer, environ une heure par jour, c'est pas mal ça que je risque d'atteindre le plus fréquemment. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on est assuré d'avoir du renfort dans la vidéo aujourd'hui. Et si jamais on pogne un joueur des sabres, je complète en plus la construction d'équipe des sabres. On a plein de choses qui peuvent nous arriver de positif dans la vidéo, alors on y va. On commencera pas par le pack élite, on y va avec le pack joueur. Toutes des joueurs, mais au moins 5 joueurs or et un seul 80 minimum de garantie. On y va. C'est échangeable, mais je veux surtout continuer d'avancer les constructions d'équipe. 76 du Wild, ça m'aide pas plus qu'il faut. Ok, 119 Golden Knights. Notre 80 garantie. Silver. Silver. Non, or. Mais or, ça compte pas, ça, Ligue américaine. Ah, en Europe. Là, c'est un vrai silver. Ah, mon Dieu Seigneur. Donnez-moi plus de gold que ça. Hey. Peux-tu avoir au moins un autre 80? Oui, on a un autre 80. Bon, c'est ordinaire. Ordinaire comme pack. On n'a pas le joueur manquant pour les sabres de Buffalo. OK, bon, on s'en va sur notre pack élite. Alors, on y va. 10 éléments, au moins 5 joueurs de 80 minimum. C'est parti, on y va. Ah ouais, un peu de pack lock. Célébration. Un casse. Numéro, à date, même vendre ça, ça vaut rien. Ah, tabarouette. 83. Ok. Wow. Oh! On complète les sabres de Buffalo grâce à Craig Anderson. On met donc la main sur un 84 dans la vidéo. On va le faire ensemble. On peut avoir mieux que ça. Ok, 81. Puis les Blues, on a fini cette équipe-là déjà. Donc, au moins, c'est changeable. Je vais m'en servir pour faire des échanges. Hey, ça, c'est le fun. Mais on va compléter la construction d'équipe et on regarde le joueur que ça nous donne. On met la main sur le joueur de centre, Jerry Meehan. Je le connais pas pantoute. Fabricant de jeu. Sa meilleure colonne, c'est les mains. OK. 1m88. Oh, ça, c'est une belle surprise malgré ses 76 ans. 6 pieds 2, 91 kg. Le shot est pas pire. Le patin, c'est très ordinaire. Mise en échec, on oublie ça. 119 de face-off. Faux centre un peu ses bords. Mais palette à gauche, c'est parfait. On peut le mettre à l'aile droite. Bon, ben, hey. À 84, là, il fait le club, mais c'est pas le seul. J'ai enfin fini les objectifs farce ou friandise. On s'en va mettre la main sur Toivo Teravainen 88. Et c'est fini les matchs avec ma petite équipe Hot 23. J'avais bien du petit OV là-dedans. Ils me manqueront pas, ces gars-là. Et bien sûr, à 88... il devient mon meilleur joueur. Fait que je suis pas rien qu'un gars des maudits Hurricanes, mais pour le boost que ça va donner à l'équipe, il est plus que bienvenu. Mais c'est un autre gaucher. Fait que là, je mets la main sur deux nouveaux gauchers. Mais on va leur trouver une place. Ça va faire du bien. Enfin, un peu plus de punch. Là-dessus, je vous souhaite bonne pack luck. On se retrouve dans quelques jours. Salut, là. Bon, ben, finalement, Meehan, il joue pas.